Quand et comment l'ADN de Cédric Courbet s'est-il retrouvé sur des branchages à proximité de la scène de crime? Cette question centrale dans le dossier a occupé une bonne partie des débats de la journée, avec notamment le passage à la barre du docteur Laurent Bregnaud. Expert en génétique, il a procédé à l'analyse du scellé qui fonde le socle de l'accusation. Pourtant, sa déposition aujourd'hui semble pencher en faveur de la défense. Interrogé à plusieurs reprises, l'expert l'assure, il est scientifiquement impossible de dire si c'est le jour du crime ou à un autre moment que l'ADN de Cédric Courbet a été déposé sur les lieux. C'est un endroit, le Catagne, où il se rendait assez fréquemment, un peu moins après la mort de Philippe Paoli, mais quand même. Il prenait ses précautions, il ne se garait pas sur le parking et il empruntait un chemin. C'est sur ce chemin que l'ADN a été retrouvé et c'est la raison pour laquelle il a toujours, dès le début de l'instruction, dès qu'on lui a notifié l'expertise, expliqué que c'était possible que ce soit son ADN, mais c'était impossible que son ADN ait pu être déposé à l'endroit où il a été retrouvé le jour des faits. Le passage à la barre des experts ADN pourrait porter un coup dur à l'accusation dont le scénario jusqu'à présent semblait clair. Pour l'avocat général, une chose est certaine, Cédric Courbet a fait partie du commando qui a exécuté Christian Léogne et c'est en s'enfuyant qu'il aurait laissé son empreinte génétique sur un chemin jouxtant les lieux du crime. Un autre problème va se poser à l'accusation. Aucune des demandes de contre-expertise faites par la défense n'ont été acceptées et une erreur de courrier a entraîné la destruction du scellé en cours d'enquête. Thank you.